Je suis Dionysos, le dieu du vin. Célébrez-moi, et vos raisins se gorgeront de sucre.
Je suis Dionysos, le dieu du vin. Célébrez-moi, et vos raisins se gorgeront de sucre. Thank you.
vie est faite pour être agréable. Célébrez-moi et savourez l'instant présent. Vous avez fait de moi votre ennemi, et la mer le sera aussi.
soyez faites pour être agréables. Célébrez-moi et savourez l'instant présent. Thank you.
profiter de ce qu'on soit pas sans vin. Je vais ordonner à Talos de vous aider à résoudre vos problèmes.
cette cité est une véritable utopie, et je ne peux imaginer un chef plus sage. Peut-être que si je viens ici assez souvent, vous m'offrirez la citoyenneté dans votre superbe cité. Mon armure est aussi bonne que celle d'Achille. Je suis prêt pour l'invasion. Je vais ordonner à Talos de vous aider à résoudre vos problèmes.
Réjouissez-vous, nous avons libéré les Égyptiens de leurs oppresseurs. Même Saqqara a rejoint à contre-cœur le camp de la Grèce.
Avec leurs puissantes armées, ils seront assurément des alliés précieux et nous épauleront dans notre lutte contre la menace Atlante. Mais aussi coriaces que nos chiens dents, les Atlantes refusent de partir. Leur base militaire de Terra devient chaque jour plus forte, et notre armée est aujourd'hui dans l'impossibilité de l'attaquer directement. Il ne nous reste plus qu'à espérer que nous serons en mesure de protéger les cités que les Atlantes de Terra décideront de harceler. Bon, ça veut dire qu'ils vont pas arrêter d'attaquer, mais... les cités que je viens de conquérir, toutes mes vassales, putain. Une mission de reconnaissance dans la cité Atlante de Climène, et ramène des nouvelles effarantes. Il rapporte que ces infâmes Atlantes ont construit une arme très puissante. Cette arme est capable de causer d'énormes dégâts, et ce, même à distance de la cible. Après notre série de victoires triomphales, ils doivent être effrayés à l'idée de nous affronter. À l'exception de ces effets terribles, nos espions n'ont rien pu découvrir d'autre sur cette arme ou sur son fonctionnement. Heureusement, les dieux sont avec nous et ils nous ont donné les informations que les espions n'avaient pas pu découvrir. Héphaïstos, le maître artisan, a mis au point une technique pour saboter l'arme. Seul un héros des plus astucieux sera en mesure de franchir la forteresse de Lixus, de franchir les défenses de Climène et de s'approcher de l'arme sans se faire remarquer. Plus vite l'arme sera neutralisée, plus il nous sera facile de battre les Atlantes une bonne fois pour toutes. Tandis que nous travaillons au sabotage de cette arme maléfique, nos alliés répondent vaillamment à l'attaque des Atlantes. Comme dans tout effort de guerre, les réserves diminuent à vue d'œil. Les demandes de ravitaillement ne cessent d'augmenter. Nous devons participer à l'approvisionnement de nos alliés en leur fournissant les marchandises dont ils ont besoin pour poursuivre leur vaillant effort de guerre contre l'Atlantide. D'autres cités, toujours sous la férule des Atlantes, nous ont fait parvenir en secret des cadeaux en espérant que nous allions les libérer. Et nombre de nos nouveaux alliés nous offrent des présents en signe de gratitude. Bon, alors... Waouh, doucement, pof. Ah ouais, j'ai dit que je voulais Zeus. Bon, retour sur la cité mère, cité un peu catastrophique. Tu veux que je refasse un petit peu les... l'huile d'olive peut... Non, bon, ça devrait aller. J'ai la place nulle part. Même si je voulais le faire, peut-être là je pourrais le faire. Non, même pas. J'aurais la place là si j'avais pas mon quartier de riche. Je vais pas pouvoir faire Zeus. Alors, qu'on accomplir la quête, réserver le blé, bon ça c'est fastoche. Il reste plus qu'à attendre la quête. Mais je vais me faire attaquer plein de fois. Je vais me faire attaquer, je vais... Mes vassals vont se faire attaquer aussi.
Là, on va accélérer, hein. Ça sert à rien d'attendre. Hein. Je suis le dieu le plus puissant. Bah oui, je sais. Aucun autre dieu ne pourra vous offrir plus que moi. Je sais, Zeus. J'ai détruit tous. Non, même là, je pourrais pas le faire. C'est tellement triste. Mais j'ai Hermès. La culture au max. Ça serait bien qu'ils arrêtent d'évoluer les maisons là. Je suis le dieu le plus puissant. Aucun autre dieu ne pourra vous offrir plus que moi. Ou alors je fais une cité là, j'enlève la cité là-bas. Non, je vais pas tout changer, tout révolutionner maintenant. J'espère qu'ils vont pas me demander de faire Zeus à la fin, putain. C'est vraiment dommage que ça rentre pas là. Faudra un temple plus petit. Ouais, non, là vraiment ça rentrerait jamais. Là. Là non plus. Non, c'est vraiment genre là. Là, ça... Non, même pas. Avec le coin, ça rentrerait même pas ici. Là, ça rentrerait. Enfin, je pète... Mais bon, je vais pas péter mes riches, là. Chier. Salutations, âme mortelle. Vous seul avez assez de courage pour accomplir ma quête. Temple d'Ulysse. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça va, je suis assez populaire pour lui. Découvert de la cité de Kletos. Ah. Alors, est-ce que c'est une qui va m'emmerder celle-là? Kletos. Ah, c'est une lointaine. On ne peut rien faire avec elle. J'espère qu'elle ne m'attaque pas. Je suis Ulysse, roi d'Ithaque, connu dans le monde entier. Et du coup, saboter l'arme, c'est quoi le truc? C'est que je lis jamais les... Je lis jamais les textes, là. Parce qu'il y a une histoire derrière toutes ces quêtes, quand même. Salutations mortelles, vous seul avez le courage pour accomplir ma quête. Les féroces Atlantes travaillent actuellement à la fabrication d'une arme redoutable. Pour empêcher vos ennemis de se servir de cet engin de mort, vous devez trouver Ulysse, moi, Héphaïstos... Je murmurerai des instructions à l'oreille du héros pour que celui-ci détruise l'arme. Ah bah. Du coup, on verra pas le message de fin. C'est normal, après ils disent aussi un truc, c'est comme ça va être la campagne qui va prendre le dessus. Bon, après, bon. De monde s'affronte, là c'est vraiment le début qui est difficile, pas d'argent, enfin surtout en mode olympien, au secours quoi. Manque d'argent, invasion sur invasion, mais une fois passé ça, après on est un petit peu embêté par les rats de marée, par Poséidon. Les séismes qui m'ont cassé mon cité là, voilà. Donc un séisme. Eh bien champion, je vais vous parler de cette nouvelle arme secrète. Comment ça, Ulysse? Et salut R5, comment vas-tu? C'est assez facile de franchir les défenses que les Atlantes avaient mises en place autour de l'arme. Les Atlantes ont toujours le nez dans les livres et ils étaient tellement absorbés par leur lecture qu'ils ne m'ont pas vu. Quasiment à la fin du dernier épisode. Ouais, moi ça va, nickel.
profiter de ce que personne ne me prêtait attention pour tourner quelques cadres. Je suis bientôt à la fin du jeu. Appuyer sur quelques touches. Tout à coup, la terre se mit à trembler. Bien sûr, cela attira l'attention de tous les scientifiques bibliophiles qui foncèrent sur moi. Sans perdre une seconde, je déversai l'équivalent d'une dizaine de ruches de miel dans l'arme. Les scientifiques étaient déjà sur moi. Naturellement, ce genre d'individu est médiocre au combat, surtout contre un héros. Et je n'eus aucun mal à m'en débarrasser en un tournement. Il devait bien être une centaine. Bref, je vous conseille de vous rendre sans plus attendre en Méditerranée et d'attaquer tant que la situation est à votre avantage. Même si je n'ai pas pu détruire totalement la machine, elle est hors service pour un petit moment. L'Atlantide grouille de scientifiques, et l'un d'entre eux ne va pas tarder à réparer ce gros engin rouge brillant. Oh non, va falloir encore que je fasse une colonie avec des guerriers. Salamis. Personne ne peut nous trouver dans ce port chypriote si bien caché. J'aurais dû les conquérir avant. Le plus rusé des Atlantes ne pourra pas nous débusquer. De ce lieu impénétrable, nous pourrons lancer de traîtres attaques contre les Atlantes et déloger ces fripouilles de Phénicie. Si nous soutenons les fripouilles de Phénicie, à coup sûr un cadeau de quelques-unes comment de il parle richesses, et nous pourrons ainsi continuer à financer notre effort de guerre. Pendant ce temps, nos alliés centaures du mont Oulip nous ont fait savoir que les Atlantes, s'appuyant sur une vieille rancune, ont déclaré la guerre à tous les centaures. Les Atlantes, qui qualifient les centaures de brutes épaisses, ont juré de les effacer de la surface de la Terre. Oh non. Notre mission est simple. Arracher les Phéniciens des mains des Atlantes et nous préparer à défendre nos alliés centaures. Si nous ne les protégeons pas, nos alliés centaures risquent de tomber. Ah, ils vont se faire détruire parce que moi je peux pas arriver à les défendre à temps, c'est sûr. Je vais perdre tous mes alliés centaures. Alors, ok, la map est toute petite. Et d'où je fais mes guerriers, d'où je fais mes... C'est chiant. Je peux faire quoi? Que de la vigne, je peux faire quoi ici? Athéna, d'accord. Hermès. Ouais. Donc je dois tout importer, là, la bouffe et tout. Bon. J'ai accès au bronze, ça c'est bien. De toute façon, on va faire un truc comme ça. Les ports de commerce, j'ai accès là. D'ailleurs, ils sont où les... Est-ce que c'est en bas ou en haut, tiens, l'entrée? Ah oh, putain, c'est en bas. Si j'en fais un là, il va me dire non. Bon, de toute façon, il n'y a pas de place. Ok, donc ils sont là. Youpi! Ah oh, putain. Ils font tout pour me contrarier, hein. Mais je vais pas avoir la place de faire tout ce que je veux, ça va m'énerver. Pfff.
C'est ça que je vais avoir des cadeaux. Alors. On va faire comme ça. Bah, comment je vais faire tout ça, moi? Comme ça. 2, 3, 4. Là. Alors déjà, donc ça c'est qui? Mycène, ouais ça j'avais besoin. Il y a des postes de commerce aussi. Alors, import marbre et vin. Et là, poisson et bronze. Bah bon, j'en ai pas besoin, j'ai besoin de poisson. Ah ça c'est bien, je peux vendre du bois, donc déjà. Dommage, je pourrais pas faire Athéna. Oh, peut-être, on va voir. Il y aurait peut-être la place finalement. Il y a quand même de la place. Je me suis peut-être plaint un peu vite. On va tenter, hein. On va tenter. Faire des soldats. Comme ça, ils pourront profiter des bassins, eux. Espèce de... Oh bah quand même, en même temps, mon truc que j'avais fait tout à l'heure avait plutôt bien fonctionné. Il y aura pas masse de soldats, mais c'est pas très grave. Je suis Athéna. Célébrez-moi et le livre sacré poussera dans votre cité. Ça va peut-être faire un peu... Si je fais ça, c'est bon ou c'est pas bon? Faut juste que je mette mes deux. Mes deux entrepôts. Parfait. Enfin, parfait. Tout est relatif, mais... On va s'en contenter, hein. Là, on peut mettre des trucs ici.
Sa tête petit caillou là, mais regardez-moi ça. Sur le tête, je pense qu'il va pas survivre très très longtemps. Hein. Ah ouais, s'il tourne pas. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Ah, ce caillou, j'en reviens pas là. S'il m'embête là. C'est fort fort dommage. Hein. Je suis Ernest. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficient. Ah, mais j'ai pas. Ouais, je sais ce que j'ai pas fait de bien. Tac. Faut bien que je relis ça aussi, quand même. Sinon, ça ne va pas le faire. Suffisait juste que je décale de 1, c'était bon quoi. Putain de merde, de merde. On va le faire de ce côté là plutôt. Ouais, niveau bouffe ça va pas là. Il me faut aussi du blé. Teb. Ah, Teb est devenu mon allié, c'est plus ma vassale. Ah bah tiens donc. Du coup j'aurais plus de blé gratos. Mince, hop là. Acheter aussi de l'huile d'olive. Alors, il me faut des armes. Armurerie. On va en faire 8. Voilà. Ça fait beaucoup.
dit que je voulais faire Athéna, mais... Il vaut pas mieux que je fasse Hermès, quand même. Dans ce cas, Athéna, ça va renforcer les soldats. Enfin, je crois. Je sais pas trop comment ça marche, là, mais... Attaque contre Mycène en mode, non mais... bien sûr. Mais bien sûr. Ils ont quand même pas conquérir ma cité mère quand même. Leur vers votre cité. Je peux acheter du vin. J'ai trop la flemme de faire du... Ah, puis bon, je vais l'acheter ici. Je vais pas l'acheter là. Tac. Voilà. Il me faut aussi le podium. Alors, le théâtre, c'est bon. Ah, puis il y a le gymnase aussi. Oh. De la place tout ça. L'hygiène se détériore. Ah ouais, j'ai plus de bouffe. Ah mais oui, attends, hop là. Toi, il faut que t'ailles ouais, obtenir portant. Produit de la viande, c'est qui? Ouais, mais c'est pas ma copine, elle. Non, du marbre, je m'en fous. Il y a Knossos. Vend du marbre et du d'olive, je m'en fous.
qui vend de la bouffe là dans cette. Y'a pas grand monde hein, qui vend de la nourriture. Hein. Je vais faire comment ? Il y en a deux qui se baladent là. Ah oui. Célébrez-moi et les marchands étrangers trouveront facilement leur chemin vers votre cité. J'ai personne, je peux rien faire. Il est aux portes de ma cité, Lycos, au secours, il me fait attaquer. Ah, je m'en fous. J'ai pas de quoi te sauver, mon pote. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit que. Hop. Ah, j'ai envie le pire. Mon Pélium a besoin de bois, ouais.
cas où elle se fasse attaquer. Célébrez-moi et les marchands étrangers trouveront facilement leur chemin vers votre cité. C'est moi, j'ai plus de 80 000 ou 30 000 G là. Non, 80 000. Parce que 30 000 là, ça commencerait à, à piquer. Puis je peux même pas faire de cavalier. J'ai pas de blé. On va devoir se débrouiller sans. J'espère qu'Athéna ça va suffire. Ah, elle achète de l'huile d'olive. Elle. On pourra arrêter d'acheter de l'huile d'olive et puis on va compter sur Athéna. Attaque contre Montpellion. Bah tiens, je vais te donner ça, je sais pas si ça va suffire, mais... Vas-y, va voir. Pas assez d'activités culturelles. Ah putain, c'est parce que... Attends, activités culturelles, on va mettre au max. Considération accrue de Montpellion. Heureusement, ils n'ont pas besoin de beaucoup de soldats. Thank you.
C'est vraiment des gogoles des fois, c'est dur. Putain. Il y a une micro-route qui restait dans un coin, il faut qu'elle sorte là, cette débile. Que mes oliviers sacrés produisent des fruits. En même temps, j'ai la place de faire les deux dieux. À cause de 1. On va essayer d'attaquer des gens qui ont du blé. Alors, toi t'as du blé, il y a beaucoup de pliers quand même. Alliés pleins de ressentiments. C'est qui que je dois conquérir là? Carthage tiré Sidon. Alors Carthage, elle a pas beaucoup de boucliers elle. On va la conquérir. Hop. Puis c'est bien ce que j'ai mis le temple d'Hermès là où je voulais mettre des chevaux. Donc on va changer notre stratégie. Gêne. Et ça commence, invasion manquée.
Oh, je peux faire des chevaux. Déjà, on a Carthage. Après, il nous manquera Tyr et Sidon. Interruption des échanges commerciaux avec Memphis. Allez. Attaque contre Thèbes. La journée, j'ai rien. Pour l'instant. Permettez-moi de satisfaire une autre requête. Ah, je suis bien content de l'avoir, lui. Alors, tire, elle est là. Commencer lui parce que j'ai besoin de blé. Mycène. En colère. Bah tiens, donc. Tiens, prends mes sous. Shut up. And give my money.
retour des soldats vaincus. Pas de compte à mon pignon. J'ai pas tout suivi les événements là. Alors, conquête de la cité Montpellion par terrain. Ok. Donc j'ai perdu Montpellion. C'est chiant ces colonies où il y a des batailles à faire. On retente Sidon. Ah, il reste plus beaucoup de boucliers là. On va l'avoir. C'est obligé. Sidon est conquise, ça c'est top. On va remettre les chevaux. Voilà, et là on va conquérir. C'est qui me reste? Tyr. Alors, tyr, hop. Knossos. Et elle est où Knossos? Est-ce qu'elle est forte pour m'aider? Ah, bah c'est une colonie, c'est très bien ça. Alors, tyr, hop. Avec Knossos, très bien. En colère, de toute façon, j'ai pas besoin d'elle. Ça m'intéresse pas. Les Phéniciens reconnaissants, nous du premier coup aujourd'hui. Nous avons jeté notre ennemi commun hors de leur cité, et les Phéniciens peuvent enfin reprendre leur lucratif commerce de marchandises. Nous nous préparons pour les combats à venir, et l'argent fourni par nos alliés phéniciens nous aidera à affûter nos épées et à renforcer nos boucliers. Grâce à la contribution des Phéniciens, nous sommes certains de vaincre les Atlantes. C'est le calme avant la tempête. Les cruels Atlantes se sont regroupés en nombre au-delà de ce que nous escomptions et préparent leur machine de guerre pour partir à la conquête de tout ce que nous leur avons ravi. Ils ont réparé leur redoutable arme qu'Ulysse avait endommagée et ils ont renforcé l'Ixus afin que personne, pas même un héros, ne puisse poser pied en Atlantide sans y avoir été invité. Certains de nos espions rapportent que les Atlantes ont déjà repris Carthage et que leur cité est désormais moins vulnérable grâce à leur mystérieux lanceur de feu Atlante.
Il ne reste plus qu'à espérer. Ils ont pris Carthage ? Pourtant, on ne peut s'empêcher de penser que la prise de Carthage par les Atlantes ressemble à la première fissure, laissant s'échapper un filet d'eau dans une digue ancienne. Au début, la fente est ténue, mais peu à peu, elle croît jusqu'à ce que la digue cède, laissant se déverser un immense courant prêt à tout dévaster. La horde Atlante est à l'image de ce filet d'eau, chaque jour plus forte et plus dévastatrice. Face à la marée qui monte, il faut tenir bon. Nos énigmatiques voyants ont évoqué les années à venir et prédit de rudes épreuves quand la Grèce sera frappée de toutes parts. Et pourtant, les voyants affirment que ceux qui sont suffisamment forts pour résister à la menace atlante seront récompensés quand un grand héros va voir le jour et prendra en main le destin à la fois cruel et fortuit de la Grèce. Ils disent aussi que Zeus, furieux du comportement des Atlantes, viendra en aide aux Grecs quand il sera prêt. En attendant ce héros victorieux, nous devons mobiliser nos forces pour faire face à la menace atlante. Les centaures du mont Oulipe ont fait le serment de mourir plutôt que de se retrouver de nouveau asservis par les Atlantes. Prenons un exemple sur les centaures et préparons-nous à de violents combats. Oh là là. Alors, qui c'est que je vais conquérir? Alors là, on va défoncer tout le monde. Tout le monde, vous allez être mes vassals. Hein. Rival Mont-Olympe, rival Mont-Pélion. Allez, zo. C'est parti. Je suis le dieu le plus puissant. Aucun autre dieu ne pourra vous offrir plus que moi. Je sais pas si je peux aller taper sur Carthage ou pas, si elle est invincible. Ça va être compliqué. Et conquis mon pédion. Qu'est-ce qu'elle me donne, elle? Des sous. Ouais. Attaque contre Thèbes. Merde, j'ai rien. À journée. Faut attendre, hein. Ne. Attendez que mes soldats reviennent. Ah, je voulais taper sur Carthage. Ouais, elle a besoin de cachet. Je suis le dieu le plus puissant. Aucun autre dieu ne pourra vous offrir plus que moi. Attaque contre Sidon. Ah oui, d'accord, ils vont pas me lâcher, quoi. Donc ça, ça te va pas. Bon. Les parcs sont nuls. Je peux pas mettre un truc à 3, donc... J'ai pas le grand obélisque. Comment je vais faire? Source, on va mettre des bancs. Voilà. Donc ici on est bon. Alors ici. Plus d'activités culturelles. Oh merde avec les activités culturelles. Normalement ils passent tous là. Philosophe, athlète. Ah, c'est les athlètes.
Ils vont pas jusqu'au bout là-bas. Cette cité est comme Ajax, elle surpasse toutes les... Et ils sont 50 à sortir normalement. Ils vont... Il n'y a pas un qui va sortir jusque là-bas. Non mais je rêve. C'est pas normal ça. Ils sortent pas... Putain, ça m'emmerde ça aussi. Peut-être si je le fais là. Rébellion de Knossos, putain, ils se foutent de moi. Bon. Putain, c'est les gymnastes qui me trahissent là, mais c'est un truc de fou ça. Normalement, s'ils sortent d'un côté, ils devraient aller assez loin quand même. Putain, je piche pas. Ils sont 50 à sortir de leur putain de gymnase là. Je peux pas casser une maison. Bah tant pis. Je pourrais pas le mettre là de toute façon. Même si je la décolle, ça sert à rien. Je suis le dieu le plus puissant. Aucun autre dieu ne pourra vous offrir plus que moi. Nixus, elle est où? Ah ok. Invasion déclenchée par Terra. Putain, Terra, faut que je m'en débarrasse. Je sais pas si je vais pouvoir la conquérir. Oh, elle a pas l'air d'avoir trop de boucliers. Faut le tenter. Quand ils reviendront. T'es valon, Hermès, là ? Cette cité est bien au-dessous du standing. Ah, c'est l'heure de ma propre. Cette cité est bien au-dessous du standing auquel j'aspire. On va sauvegarder d'abord parce que ça se trouve elle est imprenable. Alors enregistrer 3. Terra, tu dégages. Il va super loin, Hermès, en fait. Attaque contre Sparte. Invasion manquée de Terra. Bon, vu le peu de bouclier qu'elle avait, c'est qu'elle était imprenable. Je vais recharger, ça sert à rien de la prendre. Enfin, je pense, hein, à mon avis. J'avais envoyé suffisamment de soldats, normalement. Bon, on va reprendre Carthage. Ça m'embête pour ça là, putain, que les gymnastes ils passent pas partout là. Thank you.
Ah, j'ai pas le temps d'envoyer les soldats à Sparte. Aucun autre dieu ne pourra vous offrir plus que moi. Ah, c'est Syracuse, ok. Conquête de la cité de Carthage par Terra. Bon, laisse tomber. Je venais de la conquérir. Atlas punit Salamis. On va essayer de faire moite-moite. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, voilà 3, et lui, le reste. On verra bien si ça marche ou pas. Considération accrue de Knossos. Visiblement Knossos j'ai réussi. Mon lit vous estime beaucoup. Je suis le dieu le plus puissant. Aucun autre dieu ne pourra vous offrir plus que moi. Et là, ils vont jusqu'au bout maintenant, les gymnases. Moi, je comprends rien, ce jeu. Je n'y comprends rien. C'est vraiment codé avec le cul. Hein. Ouais, là, ils y vont plus. Ils y allaient, mais ils y vont plus. Et ils sont vraiment cons. Hein. Si elle est prenable ou pas Terra finalement. Est-ce que j'ai vraiment envoyé suffisamment de soldats tout à l'heure? Je suis le dieu le plus puissant. Aucun autre dieu ne pourra vous offrir plus que moi.
Fin de la cité Knossos. Cette cité a été rayée de la carte du monde. Oh. Ah, c'est Thèbes que je dois aider. C'est pas gentil ça. Invasion déclenchée par Terra. Je ne peux pas tout faire. Hein. Je suis déjà sur deux invasions, les gars. Attaque contre tir, ouais, mais je peux pas. Hein. J'ai envoyé tous mes soldats déjà. Vite. J'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit. Arrête pas de me faire attaquer. Invasion déclenchée par Terra. En plus, je me fais envahir. Hein. Super. Si j'avais Zeus. Si j'avais Zeus. Je vais ordonner à Talos de vous aider à résoudre vos problèmes. Bon, il arrive quand le héros là? Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Aphrodite Punissime. J'ai provoqué la colère de la déesse des tendres passions. Elle pense que je lui manquais de respect, sachant de son vacité. Je ne pourrai faire de commerce avec vous tant que je n'aurai pas trouvé une solution, un moyen d'apaiser la colère d'Aphrodite. Ah bah. Je suis le dieu le plus puissant. Aucun autre dieu ne pourra vous offrir plus que moi. Je vais affaiblir Terra. Avec Athènes. Athènes est philanthrope, parfait. Salamis menacé par le cyclope, temple d'Ulysse. Aphrodite pardonne à Cimé. Ayant entendu parler d'une fabuleuse pomme d'or qui se trouve de l'autre côté du pays, Aphrodite a délaissé votre cité pour partir à sa recherche. Ah. La paix est revenue dans ma cité. Considération moindre de Salamis. Mais oui, mais j'ai pas eu le temps. Ulysse arrive. Oh, c'est dégueulasse. Bah oui, mais j'ai pas eu le temps. Fin de la cité de Mont-Olype. Allez, tout le monde se casse la gueule, hein. Thank you.
Salutations, camarades. Si vous avez j'en étais sûr. Ah, je le sentais venir arriver, lui. Et je parie tout et n'importe quoi qu'ils vont me demander le temple de Zeus. Je le sentais. On va prier pour que ce soit Athéna et Hermès, mes papes. Oh, putain, pas de Zeus. Oh, pitié, pas de Zeus. Et je vais faire la lit. Ah, merci mon Dieu. Merci mon Zeus. J'ai eu des sueurs froides tout d'un coup là. Bon, tout va bien. Quand il arrive, j'ai quand même utilisé avant de taper sur. Je suis le dieu le plus puissant. Aucun autre dieu ne pourra vous offrir plus que moi. Donc là, il faut absolument Hermès. Je suis versé et rien ne peut m'arrêter. Hermès et Athéna sont indispensables dans ce scénario. Bon là, c'est avec tout ça. Elle tombe pas, c'est qu'elle devait pas tomber. Hein. Terra elle tombera jamais. Pas la peine d'essayer. Elle est invincible. Du coup, je vais pas essayer Syracuse. Hein. À mon avis, c'est la même chose. On va pouvoir envoyer Persée. Pas besoin de vos dons là. C'est Teb qui vient de tomber là, alors Teb. On va la reprendre. Je suis le dieu le plus puissant. Aucun autre dieu ne pourra vous offrir plus que moi. Ah oh, mais je viens d'envoyer mes soldats. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Les Atlantes ont battu la plupart de nos alliés et nos fidèles colonies, et leurs habitants ont été victimes de la colère de Poséidon. Pourtant, au milieu du carnage, une lueur d'espoir subsiste. L'imposante forteresse d'Ixus a été détruite, un coup terrible porté au pouvoir des Atlantes. Dionysos et Persée doivent être remerciés pour cela. Quand Dionysos eut vent du sort des centaures sur le mont Oulipe, il châtia le peuple de Lixus en employant sa tactique habituelle, faire boire du vin à ses victimes jusqu'à ce qu'elles tombent ivres mortes. Les Atlantes, ainsi indisposées, Persée s'empara de la tête de Méduse et transforma les citoyens de Lixus en pierre. Si nous devons profiter de cette aubaine, il nous faut agir vite. Le repeuplement de Lixus et la restauration du fort ne devraient guère prendre beaucoup de temps aux Atlantes. Dans un éclair, Zeus apparut à nos voyants. Chers amis grecs, j'ai observé votre guerre contre les Atlantes et je suis aujourd'hui fatigué de leurs intimidations grotesques. Mon frère Poséidon a lui aussi pris la grosse tête et ses chevilles ne sont pas en reste.
Il est grand temps de remettre Poséidon et son peuple déloyal à leur place. J'échafaude un plan qui vous permettra de vaincre les Atlantes, une bonne fois pour toutes, et de leur faire subir le sort qu'ils réservent à d'autres. Le fort de Lixus détruit, un héros habile devrait pouvoir se rendre facilement en Atlantide pour mettre à exécution ce complot. Je dois encore peaufiner les derniers détails, mais je serai bientôt de retour. Attendez le bon moment ici à Mycène, et la victoire sera vôtre. Les mots de Zeus résonnent comme un appel à l'action. Nous devons de nouveau nous soulever, des armes à la main, et affronter notre perfide ennemi Atlante. Nous serons prêts. Quand les Atlantes attaqueront, nous les accueillerons par un cri de bataille à figer le sang dans les veines. Puis, de la pointe de nos lances, nous les chasserons de la cité. Si nos alliés sont battus, nous garderons notre sang-froid et redoublerons d'efforts pour vaincre l'ennemi. Nous ne ferons qu'une bouchée des dieux mécontents et des monstres féroces. Nous résisterons à leurs assauts et les repousserons à l'aide des dieux et des héros de Grèce. Cela prouvera au monde entier qu'on ne badine pas avec les Grecs. Non, je vais reprendre tout ce qu'ils m'ont pris là. Thèbes, bah mais je croyais que c'était bon Thèbes là. Aucun autre dieu ne pourra vous offrir plus que moi. Cette cité est à toi. Non mais qu'est-ce qu'il lui prend, elle ? Mais je vous le demande. Il est où ? Il est juste là. Le redoutable Achille. Me dis pas qu'il va me péter mon temple d'Achille. Mais Achille, il faut que tu viennes très vite. Je vais ordonner à Talos de vous aider à résoudre vos problèmes. Vas-y, on déclenché par Sparte. Non, attends, j'arrive, toi. Toi, t'es mon proche dans ma liste. Non, ça on voit pas à cause du palais. Il semble que vous ayez quelques ennuis. Talos était bien vénère là, il arrivait aussi pour en découdre. Hein. L'invasion déclenchée par Syracuse.
on a dit Sparte. Sparte, tu vas t'en prendre plein la gueule également. Aidé par Montpellion qui est philanthrope. Donc tout va bien. Mon armure est aussi bonne que celle d'Achille. Je suis prêt pour l'invasion. Qui était conquis là. J'arrive Sparte, j'arrive. Mais nique la gueule toi aussi. Bon, en espérant que je gagne, parce que sinon je serai vassal de... Le cyclope attaque. Oh là là. N'aurais-je donc aucun répit? Ah, moi il apparaît au niveau des fissures là-bas. Voilà. Vous avez conquis Sparte, ben voilà. Je suis le dieu le plus puissant. Aucun autre dieu ne pourra vous offrir plus que moi. Je suis Ulysse, roi d'Ithaque, connu dans le monde entier. Il y a elle aussi qui a été conquise. J'ai bien envoyé Achille, j'ai pas envoyé Puis. Non, c'est bon, il arrive. On a déjà eu le combat épique. Oh, il allait péter mon Agora, c'est sûr. Sparte en colère, non mais déjà. On a tout le monde, hein, à part les deux là, mais bon. Ah, peut-être Carthage. Ah non, Carthage, on l'a plus. Vous avez fait de moi votre ennemi. Ah non, raz de marée. Et la mer le sera aussi. Ah non, pas de raz de marée, cool. Oui, Hermès, il est vénère contre Poséidon, là.
Je suis le dieu le plus puissant. Aucun autre dieu ne pourra vous offrir plus que moi. Vous voulez voir un Kraken de près? Attaque d'Atlas, hop, 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 hop. Alors, Percy. Putain, j'ai tous les héros là, dis donc, hein. Je suis percé et rien ne peut m'arrêter. Allez Athéna, je compte sur toi. Ah mais il y a du mouvement dans ce scénario là, entre les monstres, les dieux, les ceci et cela. C'est vous qui avez décidé ça, tout ça. Voilà. Une armurerie a été cassée là. Je suis le dieu le plus puissant. Aucun autre dieu ne pourra vous offrir plus que moi. Là, je vais la faire l'invasion. Ça fera un peu d'action. Qu'est-ce qu'ils ont, eux ? A besoin de chevaux. Ok. Vous avez fait de moi votre ennemi, et la mer le sera aussi. Putain, je venais juste de récupérer mon commerce là. Très cher Amortel, ah. J'ai une quête à vous confier. Je sais qui. Ulysse. Je vais ordonner à Talos de vous aider à résoudre vos problèmes. Ils sont beaucoup, hein. Pas que je puisse couler les... On va éviter du coup, hein. Je sais pas où c'est qu'ils vont arriver, là. Là, ok. Je vais ordonner à Talos de vous aider à... Ah oui, il faut pas Talos, là. Le monde tel que nous le connaissions n'est plus. L'audacieuse Ulysse, suivant les instructions de Zeus, se précipita à Climène, pointa son arme au cœur de l'Atlantide et tira. Quand Ulysse s'éloigna de l'Atlantide, une énorme boule de feu explosa, provoquant de gigantesques tremblements de terre et raz-de-marée. À l'abri, sur son navire, Ulysse jeta un dernier regard sur l'Atlantide. Il n'en était pas sûr, mais il avait l'impression qu'elle s'enfonçait dans l'océan.
les effets cataclysmiques de l'arme furent ressentis bien au-delà des terres atlantes. L'onde de choc de l'explosion se propagea dans le reste du monde. Quand l'onde atteignit Terra, elle réveilla un énorme volcan qui sommeillait depuis longtemps. Le volcan entra en éruption et projeta des cendres et de la lave dans le ciel. Terra fut complètement détruite. La Grèce ne s'en sortit guère mieux quand le raz-de-marée atteignit nos côtes. De nombreuses cités furent submergées par les flots et une grande partie de l'armée périt dans la catastrophe. Mais nous sommes toujours là et il sera bientôt l'heure pour la Grèce de rebondir. Nos plus belles histoires sont encore à venir. Ben voilà. Et tout cassé. Par conséquent, vous rejouez. Il y a longtemps, très longtemps, bien avant votre entrée en résistance contre les Atlantes, vous étiez l'un des rares survivants d'un raid Atlante. Aujourd'hui, comme alors, vous êtes l'un des seuls rescapés, mais le monde n'est plus le même. Avec l'aide de Zeus et des héros de Grèce, les Atlantes ont été vaincus une bonne fois pour toutes. Lentement, la Grèce, ravagée par la guerre, retrouvera sa splendeur passée. La société grecque prospérera de nouveau et les quelques cités qui ont survécu à la guerre se transformeront en cités fières et influentes avant d'entrer dans la légende. L'ère Atlante vient de s'achever, celle de la Grèce commence. Je regarde tellement toutes les idées là. Ben voilà, le scénario est fini. Deux mondes s'affrontent. On a défoncé tous les Atlantes. L'Atlantide est reparti sous la mer. Bon, en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi le stream, c'est terminé pour aujourd'hui. Et on se retrouve plus tard pour un peut-être autre épisode sur des scénarios customisés, enfin des scénarios personnalisés, puisque maintenant tous les scénarios je les ai faits. Peut-être qu'il me reste l'autre 10 et peut-être à faire encore. Parce que je crois qu'il y a un scénario caché que je ferai aussi du coup. Voilà, bonne soirée à tous et à très bientôt.